Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, je vais bien. Et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo routine du matin. Moi je me suis déjà apprêtée pour gagner plus de temps. Mais avant de commencer, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, c'est gratos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste en bas pour ne rien manquer si je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram, c'est la Diva Rebessim. Et sur Snap aussi, c'est la Diva Rebessim. Et sur TikTok, là-bas, c'est les conseils gratos, c'est la Diva Rebecca. Qui aussi, sans plus tarder, yes, on passe à la vidéo. On passe à la vidéo. Je me réveille à 5h juste. Deux fois à 4 heures. Si je me réveille à 4 heures, je prends le temps de prier jusqu'à 5 heures. Aujourd'hui, je suis pas. Je me suis réveillée à 3h39. J'ai essayé de dormir, de retourner un peu au lit et ça n'a pas marché. Je priais jusqu'à 4h40 et je me suis allée prendre le bain. Voilà, je me dirige vers la chambre de mes garçons. Oh, ils vont aller à l'école. Donc aujourd'hui, on est jeudi, ils vont aller à l'école. Moi, chaque matin, tout le jour, mes enfants prennent le bain avant d'aller à l'école. Donc je suis déjà habituée. Si je pas fait, je me sens pas trop à l'aise. Et voilà, je suis dans leur chambre. Il est premier à se réveiller. Good morning, papa. How are you? How was your night? Good. Good. Hello, Yaya. Good morning. I will take off your pyjama. How was your night? Good. Good. Okay. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were born. J'avais dit l'école, c'est l'école privée, on porte les uniformes. Donc, je peux porter leur uniforme, c'est bleu, blanc et puis rouge. Donc, pantalon, bleu ou kaki. Comme pendant l'hiver, ils vont porter les jeans. Ok, viens porter. Leur uniforme, c'est rouge comme ça, bleu et puis rouge bordeaux. Yeah, et puis blanc. Tricot. Pile, voilà. Donc si tu peux, même le jaquette, même le pile, faut que ça soit rouge, bleu ou soit donc voilà ce qu'ils portent à l'école et tout. Ici en tout cas, il y a vraiment, quand on rentre on va nettoyer, vous voyez, il y a des choses éparpillées partout. Les chaussures aussi sont en désordre, il y a des chaussures que j'avais lavées, c'est en bas, on va s'organiser avec vous. Leur lit, je suis pas fait, je vais faire ça de mon retour. Et tout, voilà. Là, on s'apprête pour aller à l'école. Il y a Kimila en train de porter ses chaussures. Voilà. Là, je vais chauffer les cars. Nga et dans mon actualité, ils ont mis ça picaka. On y a ti, voilà, ici. Faut en clé dans poche, sauf que les athées, ça a été. Voilà. Finir, hein? Vous voyez, c'est tout. Donc j'échauffe ça pour 10 minutes. Tellement mes enfants le matin, ils sont comme moi. Des fois ils mangent pas le matin. Ils mangent pas le matin. Ils n'aiment pas manger comme moi. Moi le matin c'est rarement que je mange. Et donc là j'avais fait les spaghettis hier soir. C'est ce que je vous montre là. J'avais fait et puis je commence à mettre dans l'air. Comment on appelle ça, leur lunchbox pour l'école et tout, voilà. Donc là, je vous laisse avec les images.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Fucking. Et voilà, là je suis en train de remettre chaque chose à sa place et tout de mettre un peu l'or dans la maison avant que je quitte ma maison pour aller déposer les enfants à l'école. Donc je remets chaque chose pardon, à sa place. Et à cause de ma voix, donc comme, comment on appelle ça, comme, oh my God, le snack, ils vont amener le pop-corn. Et tout, voilà. Et comme vous écoutez ma voix, c'est à cause de ça, je n'arrivais même pas à poster toute la semaine parce que c'était vraiment cassé. Je parlais tout doucement, donc juste dans ma voix, ils avaient juste nassé. Et maintenant, quand même, ça va. Là, je vais aller déposer les enfants à l'école. Moi, j'aime pas filmer et pendant que je conduis. Même le jacket, c'est toujours l'air uniforme. Bleu, rouge, bordeaux, rouge voilà, ou blanc. Là, on est de retour à la maison. Et là, je suis en train de faire le café. Et puis, je suis en train aussi d'arriver à la maison. Chaque matin, moi, j'aime arriver à la maison. Ça fait du bien. Ça permet que l'air circule. Hein, et tout ce qui est les odeurs et tout de la maison, ça va sortir. Et puis, tout ce qui est l'odeur, Mon papa Libanda. Hey, quand je fais les vidéos, les mots m'échappent, je vous jure. Ah en tout cas, là, je vous laisse avec la musique. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. C'est ça le beignet. Je sais pas si je vais finir parce que c'est pas pour la caméra. Donc, moi, le matin, si je, le matin, pour bien manger, si j'ai quelqu'un à la maison, peut-être mon mari, il prend, moi aussi, je peux prendre quelque chose, je mets dans ma bouche. Comme les autres font, le matin, c'est obligé, là, prendre le petit déj, fais le eggs, saucisse, petit déjeuner complet. Moi, je suis pas dedans. Je peux prendre les fruits, je commence ma journée. Je peux prendre quelque chose, juste de mettre quelque chose dans ma bouche. Je commence ma journée. Et puis là, je vais manger jusqu'à ce que mon mari va arriver. Surtout ces derniers temps, j'ai remarqué, je pris un peu du poids. Et puis mon ventre, tellement depuis que depuis qu'on est dans cette maison, la fatigue m'a comblé tellement que depuis qu'on est ici, je n'ai jamais fait des exercices pour être vrai. Je ne fais plus mes exercices. Tout ce que je fais comme sport, je ne fais plus. Pourquoi? Et quand on était venu, la fatigue de déménagement et puis d'aménagement pèse sur moi tellement, ça pesait sur moi tellement que je n'arrivais pas à faire les exercices. Je disais, je vais faire demain, la semaine prochaine, je vais faire le mois prochain jusqu'à aujourd'hui, le 4 janvier. Alors, je vais reprendre mes activités, c'est moi-même. Je crois, cette semaine encore, je suis hyper fatiguée. Vous voyez même mon visage, malgré que je camoufle avec le make-up, mais je suis fatiguée. Et je vais voir la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais recommencer mes activités. Parce que j'ai remarqué, je pris du poids. Mon mari, il commence déjà à déclarer. Oye, mounene, talalibou, bra. Mais, faut pas... Bobangate, Libumo, Sokala Vanib exercice et Kita Rango. Si je commence mes exercices et Kita, alors Nabang en haut sauté parce que et 8 ans, hein, tellement la maison est un sport, ça a pris du temps que je ne travaille parce que je ne travaillais pas. Naël Bumteba Soda, quand on était à Disney World, le soda que je prenais là, le jus gazeuse là, et ça l'inga Libumo, on a dit dans d'autres travaillés, mais c'est pas grave. On va finir avec... Voilà. Je vais chauffer mes bébés. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long.
If I could lay down beside you, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you are safe and that I will see you soon If I could lay down beside you Ça, si j'ai faim, comme maintenant, la moukina nzala. Les beignets que j'ai fait, vous voyez dedans, je vais partager avec vous la recette. Vous voyez? Every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. J'ai mangé 4 beignets. Avec moitié. Je suis très contente. Olia, il commence à passer. Alors, il y a 2 fois, je mange très bien le matin. Beside you, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you are safe And that I will see you soon Olive tree, olive plant, c'est ça non? Voilà, c'est 6 feet Et j'avais acheté ça à Walmart J'aime ça. Je mettrai la petite vidéo livraison. J'avais réussi ça à 9h. Ah ouais, on a la livraison là. Ça va, j'étais big city. En tout cas, livraison à 9h du matin. On m'a envoyé les messages quand j'ai ouvert la porte dans ça. Je vis ça. Là, hier, j'avais fait les courses. Hein. J'avais fait les courses et tout. J'avais mis ça au frigo. Et aujourd'hui, je vais couper ça en petits morceaux. Et puis, je vais mettre ça dans mon, dans mon frigo et tout. Voilà. Et moi, je ne nettoie pas. Avant, je nettoyais. Et tu vas remarquer, il y a de l'eau qui vont couler dans vos frigos pour prendre même le sachet là. En tout cas, c'était vraiment difficile. Et maintenant, je préfère découper ça le jour que je vais préparer. Là, je nettoie. Et je finis avec tout ce qui est porc. Et maintenant, je vais couper le bœuf. Donc, c'est ce que je vais préparer aujourd'hui avec le guim vert, mais je vais faire ça hors caméra. Je vais vous présenter peut-être la recette et après s'y parer et tout. Voilà, donc là, je vous laisse avec les images. Right there on top of the moon, excellent.
think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Et voilà, là je finis, je monte, je suis dans la chambre de ma fille. En tout cas, dans la chambre de ma fille, le projet qu'on avait pour sa chambre, ici on n'a rien changé. C'est juste, j'achète le meuble que je vais remplacer là où je mets le table marron là. Peut-être prochainement je vais vous présenter. Et c'est qu'on a comme un grand projet, c'est la chambre de mes garçons. Et là-bas, on va tout changer. Et pour le moment, je n'ai rien changé parce qu'on avait un grand projet qu'on a fait déjà par la grâce de Dieu. Je vais vous présenter très, très bientôt. Je vous avais dit, l'affaire, c'est ici. Vous voyez ça? Ça, c'est les chaussures. J'avais lavé ça depuis hier. Là, c'est bien sec. Je vais ranger ça. Je vais ranger ça. Et puis, je vais ranger leur lit. En tout cas, je ne change pas les draps aujourd'hui. Ils vont garder ça quand même. Débarrasser les chaussures. Voilà, comme je vous disais, on avait un grand projet à réaliser qui demande plus d'argent. Le jour que je vais vous présenter, je vais vous dire aussi le montant. Et on a déjà fait, ça reste que ce qu'on va faire très bientôt par la grâce de Dieu. Je vais vous présenter tous les deux projets qui nous coûtaient, en tout cas, qui nous demandaient en tout cas beaucoup d'argent. Et on a fait. Et maintenant, comme on a fini ces deux grands projets, et maintenant on va finir avec la maison. Parce qu'on voulait d'abord finir ça. Parce que ça, voilà, on a fini. Et maintenant, on va faire le projet de la chambre de mes enfants. On a fini. Maintenant, on va commencer à finir avec tout ce qu'on a besoin dedans maintenant à la maison. Et tout, voilà, qu'on pouvait voir. Je croyais que je filmais pendant que je faisais leur lit. Or, je ne filmais pas, sorry. Et donc, je fais leur lit. C'est pas aujourd'hui que je veux changer le drap. Et je vais changer le drap après parce que je n'ai pas la force et tout. Voilà, qu'on pouvait voir, leur chambre est bien propre. Donc, quand on va changer, j'ai mis en attendant la table là, juste au milieu pour mettre ces lampes. Donc, quand on va changer, on va tout changer et tout. Dans la chambre d'Eliana, c'est presque fini. Et qu'on pouvait voir, tout est propre, tout est nickel. On va mettre seulement le chandelier et puis ce meuble-là pour sa chambre, pour Eliana en tout cas. On a fini, tout est fini et tout, voilà. Et là, maintenant, on est en bas, tout est nickel. Ce que je fais tous les jours, hein, je ne coupe pas la viande tous les jours, mais ma routine quotidienne sur la maison, c'est pas vraiment trop sale. Ce que je fais pour garder toujours ma maison propre. Et c'est ça, je partageais avec vous aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et ça me fait de commenter, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle, partager la vidéo pour soutenir votre sœur et commenter pour me soutenir et pour booster aussi la vidéo. Et moi, je sais, Jésus gagne toujours et on va témoigner encore sa grandeur et sa puissance. Je vous aime beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Là, on se retrouve prochainement. Bisous.